Libota Nzambe, Shalom Pepe de Dieu, vous avez branché connecté dans www.congodialogue.com. Moi, c'est Josué Boloa, l'international, en Irak de Cape Town, spécialement dans la cité que nous appelons Pérou, et précisément dans ces beaux cadres, Église Séraphin Church, que dirige l'homme de Dieu, le prophète Prosper. Ensemble avec lui, nous allons un peu. En fait, il a un message à donner, pour ne pas dire on n'aura pas. Une interview, un entretien avec lui, mais c'est plus un message qu'il veut donner à la communauté congolaise. Comme vous savez, Libota Nzambe, après une semaine, deux semaines, un mois, deux, trois mois, nous plairons, nous perdons toujours des gens qui sont très chers dans le corps de Christ et dans des familles. Alors nous n'allons pas continuer à le faire, mais il est écrit dans la parole de Dieu, Nzambe Sala et Loko Mokote, ce qui a révélé, on a un prophète, n'a été, puis n'a sali, n'a été. Il y a toujours un message que Dieu donne, mais peut-être Bissonde Tolalaka. Hein, et peut-être être négligé, et il n'y a pas peut-être une voie par laquelle le message n'est pas collé. Alors, Dieu a mis dans le cœur de l'homme de Dieu un message que j'aimerais, au travers de ce canal Congo Dialogue, et dans les micros, il y a Josué Boloa, tous sur l'ensemble, et tous les capés messagers. Mais avant cela, j'aimerais quand même prendre moins de 3 minutes d'introduire l'homme de Dieu, le prophète Prosper, Abet Elosoma Lissolo, l'homme de Dieu. Shalom d'abord. Shalom, mon frère. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, merci encore pour votre disponibilité. Je vous en prie, merci. C'est vraiment pour moi un grand plaisir de vous être disposé et de venir dans ce beau cadre, comme vous l'avez dit tantôt, pour nous rencontrer et essayer un peu de partager la pensée prophétique que Dieu nous a donnée. Je crois que le visage, je n'ai pas présenté. Ça fait un bout de temps que vous êtes dans le ministère. Comment ça va? En contre vent et marée. Tout va mieux, très bien même, je peux le dire. Vous savez, le ministère, il y a les hauts et il y a les bas. Mais ce qui importe plus dans notre marche avec le Seigneur, quand des fois le moment de la vallée arrive, espérez toujours de rentrer vers la montagne ou à la colline. Et ne restez pas traîner à la vallée, élevez vos yeux vers le Seigneur, qui est le consommateur de notre foi. Il va encore vous relever encore davantage. Maintenant, nous pouvons vraiment dire un grand merci à Dieu après des petits temps de turbulence que nous avions eu à passer ces derniers temps. L'Église va à merveille. Trop bien même, au-delà de tout. C'est comme si les gens qui pensaient peut-être quitter, abandonner, fatiguer, venir à l'Église, travailler pour les seigneurs, ils se disent, bon... Vous savez, j'ai toujours eu une pensée, j'aime bien le dire, c'est souvent mon père spirituel qui me le disait, le révérend pasteur Kenga Marcel Moulumba, que j'ai salué en passant. Il disait toujours que chaque personne est remplaçable. Et cette idéologie est restée en moi, et je l'ai même remarqué, je me dis toujours moi-même aussi je suis remplaçable. Si je ne me tiens pas fidèle devant le Seigneur, dans cette grande responsabilité que nous avons, je risquerai d'être remplacé un jour. Alors la chose la plus importante pour moi et pour les autres de comprendre que si votre temps est arrivé de vous de partir, je préfère toujours qu'on puisse partir dans la paix. Et des fois, on a toujours remarqué que la personne qui vient remplacer vaut toujours mieux que la personne qui était avant. Donc nous continuons, nous allons très bien, nous évoluons très bien avec des anciens et de nouvelles pertêtes qui ont vraiment pris les relèves de ceux qui étaient partis et nous rendons gloire à Dieu. L'homme de Dieu, en voyant un peu votre parcours ministériel, tu peux te dire, bon, est-ce que vous regrettez d'être dans le ministère après les coups, après les vents, après les départs, après les remplaçants, ainsi de suite? Et est-ce que vous regrettez, tu te dis, c'était vraiment une erreur que je me suis engagé dans ces voies du Seigneur? Il y a mon fils aîné qui joue au synthé. Il lui a été posé une question il y a, je pense, 4 jours passés. Et une maman l'approche et lui demande, est-ce que tu seras aussi pasteur comme ton papa? Il a répondu, non. La façon dont je vois mon père stressé, la façon dont j'entends deux fois les gens parler de mon père par-ci, par-là, même des gens qui peut-être ne connaissent pas que je suis son fils, je me dis que non, si c'est seulement ça servir Dieu, je ne pense pas.
Mais si nous avons la vocation telle que nous l'avons là, on ne peut pas l'échapper. Au début, ça a été un peu trop difficile de comprendre certains faits, certaines réalités. Mais j'ai grandi dans une église. Je vis comment est-ce que mon père spirituel faisait face à tous ces combats. Et j'ai acquis une certaine maturité auprès de cet homme que j'aime toujours révérer à tout moment. Et qui m'a vraiment appris les ABC du ministère. Je ne regrette rien. S'il faut reprendre le monde, je serai encore plus que prophète. Vraiment, ouais, j'aime ça. J'aime ça. S'il faut reprendre le monde, tu serais plus qu'un prophète. Vraiment, très, très, ils sont très, très, très instruits. Il y a une conviction de mon abord, mais surtout bien en anglais. Que nous sommes en train de nous avoir ma confidence. Donc, moi, je regretterais que ce soit bien comme ma pasteur habité aussi. Pasteur, prophète Prosper, en fait, Séraphin Church, c'est comme ma référence, moi, Cape Town, Awa. Ah, ils ont place où tu as pu faciliter pour la journée de célébration, un concert, une présentation de l'album. Tant que monde n'a pas sollicité la place où tu as fait tes sentiments, comme on a passé un temps, les musiciens, les artistes, les gens qui ont fait place où tu as tes sentiments à l'année. Vraiment, c'est d'abord un sentiment de joie parce que sans se tromper, nous sommes quand même dans la communauté congolaise, si, voire même dans la communauté étrangère, où ils ont Nwanzela, au Banda, au Pérou, à Belleville, au Poussani, au Maliboso, tout ça, parmi la première église qui est implantée. Donc ça fait de cela 14 ou 15 ans. Et si quand même certaines personnes se réfèrent à nous et nous reconnaissent quand même comme étant l'un des pionniers dans le coin, nous ne faisons que rendre grâce à Dieu, premièrement. Et deuxièmement, on a toujours le souci de promouvoir les talents ou le potentiel des autres. S'il y a un besoin, surtout dans ma propre communauté congolaise, parce que je vois d'autres communautés très soudées, s'il y a un besoin, on se dispose toujours et on dispose notre endroit pour donner gloire à Dieu. D'ailleurs, nous rendons grâce à Dieu. On a encore un bel endroit qui, par rapport à celui-ci, d'ici un ou deux mois, nous allons aménager dans ces nouveaux endroits. Et je pense que le peuple de Dieu ou la communauté sera encore beaucoup plus content de la façon dont nous allons disposer cet endroit encore. L'homme de Dieu, il y a tant de personnes qui veulent get involved dans le ministère, à l'église, planter une église, commencer. Deux, trois conseils tu peux leur dire. La première des choses, il faut d'abord être sûr que le Seigneur vous a appelé. Ça, c'est la première des choses. Et si le Seigneur vraiment vous a appelé, le deuxième conseil, marche par la foi. Et le troisième conseil, je peux vous dire d'être patient. Yeah. S'assurer que vous avez la peine. Et engagez-vous par la foi et soyez patient. Pourquoi je parle de la patience? Ça veut dire attendez le temps propice, le temps que le Seigneur a prévu pour que vous, puisque vous risquerez de commencer avant le temps, et tout ce temps-là serait des temps perdus pour vous, des temps où le Seigneur n'est pas engagé avec vous. Vous savez, quand vous commencez avec le Seigneur, je vous donne un exemple beaucoup plus pratique. Quand je commençais en 2005 ici, le Seigneur m'a parlé. Je travaillais quelque part dans une entreprise de marbre. Dieu me dit arrête le travail. Et Dieu me dit commence une église. Alors je vais voir mon patron, j'ai dit, Dieu me dit d'arrêter, de commencer. Mon patron me dit, maintenant si tu trouves bon de revenir travailler, parce qu'il m'aimait beaucoup. Et puisque j'étais dans le temps propice de Dieu, et je pense que tout Cape Town peut en parler, nos deux, trois, quatre premiers cultes, c'était vraiment des cultes, comment dirais-je, qui ont explosé dans la ville. Et les années qui ont suivi, c'était de gloire en gloire. Quand vous commencez dans les temps de Dieu, la main vous accompagne. Mais quand vous commencez avant les temps, vous commencerez par vos propres efforts. Et quand le temps de Dieu viendra, Dieu va s'investir. Alors je préférerais qu'on puisse attendre le temps de Dieu et se préparer en coulisses. Et être sûr que le temps où je vais commencer, Dieu m'a donné un aval. Le temps de Dieu, je crois que nous aurons encore sollicité votre participation pour parler sur le temps de Dieu. Comment se connecter au temps de Dieu, comment savoir le temps de Dieu et où est-ce que tu peux se connecter, parce que la location aussi est importante, se connecter avec le temps de Dieu. Tel n'est pas vraiment le sujet du jour, le sujet du jour est le message que le Seigneur vous a mis à cœur. Vous êtes... Des fois, ces critiques-là sont aussi importantes, ça nous, c'est comme un miroir. Ça nous permet aussi de voir en nous-mêmes des choses...
qu'on doit enlever, que les gens ne trouvent pas bonnes en nous. Et aussi, bon, il y a des choses qui sont intéressantes, nous prenons en considération. Bon, les choses qui viennent seulement des sentiments humains, bon, ça nous rejetons. Et ça nous a acquis beaucoup plus de sagesse, d'expérience. Au début, peut-être, on pouvait haïr, mais là, on aime plus. Nous avons commencé à retourner dans le lingo makasi. Pour découvrir ngate. Na betala li solo moro boye. Je suis dans un train. Je suis dit, bon, je prends le train, je laisse ma voiture. Na tambola très moi kalana qui ne centre ville. Na vaye na kacha train et au devant de moi, il y a trois messieurs qui parlent de moi. Obiga face class nenge zala. Bando betala li solo nangai. En fait, moi, zana peruana, zana Mercedes, moi, boye, scro, ndumba, bazo beta. Nga me la vandi. Bon, en Pérou, bon, j'étais peut-être le seul prophète à l'époque. Nayoki, ça m'a tellement attiré. Na tunisko, webi prophète. Ah, na naebi, azamunene mula. Azo expliquer nga esko ngamoko. Vous comprenez? Eh, azamu, na tunibu, ayebi. Maintenant, j'ai trouvé ça un peu intéressant. Na souka na simongo, webi prophète ambolo bozanga. Ah, longwa kuna bino ba kongolais bozalaka. Ils m'ont même insulté. La missi passeport na lakisi. Ah papa Isaïe, eh biso ba congolais, akande na zolo ba nokaka, eh biso ba konga bio boyebinga biti papa betela ngali solo. Vous en comprenez? Ouais, mais donc des fois nous ramassons des critiques des par-ci. Donc bazo beta ma solo ya ngamuro kolonzoto, na yebi ngote. Ba beta ma solo ngamuro na yebi ngote. Donc ça arrive, on est habitué à ça. Des fois les gens tombent na mablo bazo ka par-ci par là, on ne s'en prend pas aux gens. Mon fur et à mesure que les gens nous approchent, ils découvrent. On a même des gens qui ont parlé du mal de nous hier. Maintenant, bah, comme dans les besoins, qui ne pas prophète ou à Rosungo pour la délivrance. Aïe, puis à Moni Lobiko. Est-ce qu'on a comment défendre sur la balabala? Donc, au lieu de haïr, mieux vaut encore plus aimer et prier pour ces gens-là. Très instruisant, vraiment je souhaite qu'on était branché, connecté dans Espace Dialogue, votre émission, là où la réflexion et la connaissance rencontrent avec moi, Josué Boloa. Facebook, c'est Josué Boloa, nos numéros de contact sont là, et des questions à poser par rapport à ce que nous parlons avec Tulingato Brossima Mouké, parcours, il y a prophète Prosper, moi, challenge, je suis en Katia ministère, Aza Wending, Aza Boué, et Zala Mouké, na tongote, le Dieu m'a parlé à Komi Boué. Donc, il y a un peu de temps ministère, il faut s'attendre, il y a des combats, oyo. C'est ce qui est bizarre. Parlons un peu de la communauté l'homme de Dieu par rapport au message que le Seigneur vous a mis à cœur. Ndenge tous aussi la biso communauté. Ce sont des gens que vous priez pour, vous encadrez, vous enseignez au bon de la bojinara pour la biso ba communauté congolaise. Vous semblez la peu pour la biso beauté à biso liloba. Mais dans l'ensemble, là je parle du corps de Christ comme étant en général. Tous aussi l'arabon, qu'est-ce qu'il y a au fait? Ok, c'est vraiment intéressant et je pense que au on déplace et pendant maman ali kambou, il faut tout ban rosola yango et je préfère vraiment plus prendre mon temps et parler pendant la lingala pour communauté yo kanga penza malamo. Makambo na zone ngana solo la na communauté eza makambo oyo e bandi lelote. Disons depuis le mois de novembre parce que moni Bible zolo ba Dieu nous parle tantôt d'une manière ou d'une autre, dans des songes, mais nous ne prêtons pas souvent attention aux choses que le Seigneur nous dit. Nous avons dit que différentes prophéties sont faites dans la nation, dans la nation, dans la nation. Peut-être que tous les gens ont un message dans le langage, dans le film, dans le Facebook, dans le film. On s'édifie. On prie dans ça, c'est important, nous avançons. Mais c'est une tragédie que le Seigneur nous a révélée au mois de novembre. Je prêchais devant l'église et j'ai eu un message. J'ai dit à l'église, parce que moi nous sommes une église hétérogène, mixte, il y a des Congolais, Sud-Africains, Camerounais, des Zimbabwéens, on a presque toutes les nationalités. Alors le Seigneur m'a montré clairement. Il m'a donné une vision qui a vraiment attiré mon attention. Alors, le Seigneur me dit Kebisa communauté nayo. L'ange de la mort s'est levé. Bobondela, Ponali Kambouana.
nazui na pesengo lingoma na église soki nzamba sungi ba roloka ba div ba vidéo nango j'ai donné à l'église na moni à partir ya janvier succession à Babataka. On a prié, bon, peut-être qu'on n'a pas beaucoup pris ça vraiment au sérieux comme tel. Le 10 janvier, le matanga est au Salama. Quand je dis le matanga, communauté congolaise et Koufa Tendenge, banda janvier, t'il est l'autre, toujours Koufa. C'est un peu de trop. Et puis, un bon nombre à Babibembele, la marée, pas na Bishawa. En fait, tant mieux qu'on a ça dire, ça a un culte, ah ouais, vraiment qu'il y a des Rukunda. Sans vous mentir, on a été vraiment très choqués de voir ces choses. Jusqu'à ce qu'un jour, tout comme il en mars, on a réalisé que d'abord, mort subite, ce sont des jeunes gens qui meurent. Nabana Mikie, Koukoufa, Kingani Akoufi. Oh, Kingani Akoufi. Vous avez clippé un bon nombre, ce sont des gens qui n'étaient pas malades. Alors, et si Kingani Nassé, nous avons rappelé une vision, on a joué. Habite Seigneur, il faut que nous fassions la vie, surtout quand même qui nous attire ce malheur. Et où tu as pu. On a eu la carte, il y a boîte, tant que Batu Bazo voyageait dans Zela, Jonas a eu la mission, il y a aucun de Ninive, mais il a échappé à la mission. Alors, tant que vague Betami, tu as remis au bois à ma marchandise et crié Bétami qui nous attire ces malheurs, Jonas Abimé le Bénin. On a eu quand même pourquoi cela. Dès la quai au la Nzamba Fongoni Namisu. Alors, l'or on est Nzamba la qui sait qui n'a pas de l'or yasomo. Et c'est ce que je vais faire passer comme message. Parce que j'ai tenté d'entrer en contact avec Mukunzi Namisu, ma pasteur. Malheureusement, à Salagimwa Mubembo, il a promis à son retour à Rotala, mais ça prend le temps. Ça prend le temps et hier encore, on vient encore de perdre un être très cher, un frère musicien, en plein prestation, Kouya Koufi, il n'était même pas malade. Alors, dans le cas de l'Osambo, qu'est-ce qui d'où ce malheur nous vient? Marambo Naroloba et Gozala, peut-être moi pas si. Pour la batumusu suba gobe yango, mais je n'ajoute rien, je ne retranche rien de ce que Dieu m'a dit. Donc je ne veux même pas que batuba interpelle ngai ba bengangai ba tunanga ba question te. Oh, dans la question tout nzambe. Ya, je ne suis qu'un messager. Je vais vous dire ce que Dieu m'a montré. Na moi na katcha vision bazo lokota bibembe batu. Ils allo à place mo ils allo à désertique bazo reboire bon na mai. D'accord. Parce que parmi batu bazo logo tarawana bango tout balata ki omoni ba varezo yo ba joueur à football balataka ya Congo. Bazo zo ngabe o bande ko naso bazo kufi bazo ke bwaka na mai boy. Na moni mutatemi na simana nga siminga na lipeka à l'hôpital. Na tala boy na moni image ya Outer Front. On a vu mais tout ça na kacha Cape Town. Le Seigneur a commencé à me parler. Tala suna fongo la misu boy na moni image ya Tour Eiffel. Avant de se montrer, na fongo la misu boe, na yoko mona image, mais wana ville, wana penda na kangi yango malamuti, na yoko mona. Nzama tali singa moa, ba ville wana. Alors le Seigneur me dit, alors bi, oyebi pwani magambo ezo kome la bino, tala malamu, afongo linga susu misu. Na moni, batuna ba saki, bazo kima, bazo matana ba vio, misu bazo jaba bisa voyage. Na tala boe, na reconnaître ba collègue, ba pasteur. Oh. Ah mon cher, soit ils ont le rôle des eaux, des alakis, mais en réalité il n'y avait rien. Nazo comprend des gars dans ta vision. Natala na sima ya ba pasteur boy, na moni esanga ya ba tu bazo landa ba pasteur na ba machette. Ba pasteur bazo zo bazo kima. Nenza mba komi ko expliquer ngai. Abi na ngamwana. Boy ba na chaque temps, na chaque génération. Na tombo la rabassali na ngai. O na nzela na bango, na pambo laka, libota na ngai. Ma communauté na bino, a nzamba lubi na ngai précisément, ndyoka mo nzamba lubi na ngai, les combattants, abakisi les incirconcis.
Je vous dis ce que dit les combattants, les incirconcis. Ba bossa ni cible na bango, ba yoko bundisa, musala na ngai. Nzamba bani ko talisa ngai, ndenge ba combattants bazo attaquer ba église, bazo attaquer ba concert. Abi omoni eloko o esali oyo. Esali ke ngai nzambe. Na longola, na bana ko longola basali na ngana ville oyo. Alors, nzamba meminga na écriture oezaka na 1 Pierre le bike basali na nzambe bazali ba surveillant ya ba âme na biso. Alors soki basali na nzambe ba surveillant nzambe alongoli bango automatiquement couverture spirituelle eza sur na kacha communauté te yango nzamba lo biango moni bokomi exposé na l'ange de la mort katikati na communauté. Kende ko yebisa ba combattant. Yebisa communauté. Parce que les combattants ont même influencé la communauté de faire la chasse à mes serviteurs. Nzamba tuningai. Alobi, nani mouta établi saka? Nabi nzambe zayo. Nani mouta na pouvoir ako longola? Nalobi ezayo. Nani mouta na pouvoir ako jige ezayo. Alors, comment est-ce que les incirconcis peuvent commencer à vous juger, vous? Moutoumoura zana pouvoir retirer le jugement, l'ikoloya, basalinanga, basalité. Alors, naboye, na longoli, couverture spirituelle nangaï. Ngasiko, na romi kolila na kacha vision. Nzambe, yoke la biso, mawa. Nzamba lobi, j'en ai déjà parlé autant de fois. Mais ce qu'on entend, c'est comment est-ce que la communauté a commencé à être séduite, à combattre et à parler. Les dieux m'ont parlé. On les a dit, nous avons 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 dit, prophètes. Ba sacrificateur, ba prophète, ba kangi, ba temple, ba ke na ba coopération. Ko yango nde ba accusa rabiso. Mokene ko luka misala, boli yaka ba di, me boye, ko ma bloke bele bele wa. Se kom si to vivrara na kacha ba di miyango. Zamba ni ko explique ngai. Tangu malheur nanzala e frappe na kacha Israel. Ba na Israel ba ke ko luka nzambe. Nzamba lobi na pesa ki bino ba prophète. Bo lapide bango, bo bomi bango. Ce ngai na sala kana nzela na bango, il faut bo restaurer temple na ngai, bo restaurer na basali na ngai, na bimi na kacha vision, na vandi na zai lokwa mutu wale zaki na kacha butu na lokwa mutu na zo toka na bandi kopema na bona bi nzambe to sala nini nzamba lobi libota communauté na bino wana e ya kosenga pardon na basali na ngai basenga ngai pe pardon. Na lingi lisusu koyoka te. Ba incirconci. Ba yako simba. Lingomba na ngai. Oyo bonzo mona eza mukie. Jure, je ferai plus que ce que je suis en train de faire. Bino moko boye na malheur na katikati ya communauté na bino. Alors c'est ça le message que le Seigneur. Tango nzamba pesinga message oyo. Na bengi président ya communauté na sololi na ena téléphone alobi na nga eza urgent et c'est trop sérieux. To sololi bon salami ki a eu empêchement voyager akay. Mais tant on a eu mon ande ko na biso junior un frère que j'aime beaucoup, pro d'estime, de respect, de considération. Et tant ba la ki singai photo que junior a ko fina mo route na tuli na ABC. Nous avons besoin de la maïbrouté. Nous avons besoin de la oyo. Tu comprends? Le Seigneur m'a encore parlé. Mon fils, n'est-ce pas que je t'avais dit de faire passer le message? Ah non, non. De préférence que je fasse passer le message. Alors, le message, on va faire passer. Nous avons besoin de répondre à la question. Nous avons besoin de répondre à la question à mon côté. Parce que je transmets tel que le Seigneur me l'a dit, tel que je vis dans la vision. Je n'avais aucune pensée contre les combattants, aucune pensée contre la communauté. Mais nous attendons qu'il peut nous amener à l'accent, mais quand il y a l'olengue à boyer. Donc c'est à nous maintenant de savoir comment est-ce que Toyokana, To Sangana, To Bondela, To Bela Mawana, nous amènerons la communauté.
Nabiso. C'est ça le message que j'avais à faire à passer. Chers amis abonnés na Congo Dialogue et puis ba compatriotes Union Sonia Diaspora à Nakacha Cape Town, Afrique du Sud Mbappé Bozali bande diaspora. Bozolanda message oyo, c'est vrai que ça concerne la communauté congolaise vivant en Afrique du Sud, na ville à Cape Town, mais je crois et j'ose croire que ce message aussi est à par alliance. Il y a communauté congolaise au Bozana Poto, Boza même atana RDC. Moko ba malheur pelelo peut-être au sambrier na ba politique quelque part au simbi ba interdit. Quand il s'agit des hommes de Dieu, tozana peut-être rappeler na l'église. To sambeli kana bango ba prier pour na biso, mais to komolo ba n'importe quoi sur le sacerdoce. Ba tuni Yesu. Hein? To moni balona ki blé na moyi. Ivreye e boti na butu. Est-ce que moyen zate tu as ko picola ba ivre yeso alobe moni ivre na blé tango ekolaka ezaka lo lenge moko tango ezala no mikie alors bozo risque na ko longola ba ivre bo ya ko longola pe ba mbuma malam alobi laisser le livret et le blé pousser ensemble au temps de la moisson les maîtres de moisson zanzam ce que Jésus nous a prévenu alobi au temps de la feu ba faux prophète bakoya ya solo na lokuta bakoya. Alors, si koyo biso bato na mukili, toti ke la maître ya moisson, ye moka pose jugement sur basali na ye. Parce que a force ya koluka to pindola ba fo wana, to komi ko toucher na ba vrai et to komi ko susciter na kanda ya Nzambe. C'est la seule communauté tant au message Nzambe a pesi na lobi, je dois quand même parler où je vois qu'on maltraite ses prophètes. C'est la seule communauté où on maltraite ses prophètes. Alors, moi, je me dis, bon, peut-être que tout le solution. Parce que quelqu'un m'a appelé, je lui dis la vérité. Quelqu'un m'a même dit, quand on se couvre, va passer un habit, tant qu'on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a combattant. On a dit, on a dit, on a circoncis. On a dit, on a dit, on solution dit, on a l'homme de Dieu, en tant que serviteur, je crois que je n'ai même pas aussi de questions à te poser sur ce message. Il est tellement clair que. Nazan a moi commentaire pour salaté. Initiative moi que salamité peut être rassemblée aussi comme le biba combattant, ba résistant et puis naba homme de Dieu Moussousou, peut-être vraiment moment mon quoi prière ensemble, peut-être tant on est avant que ça mais la bagou qu'on partage ensemble comme une seule voix Nzamba yo kama bonde na biso pas kitsa mawana. Bon, alors tu au sala pas samedi au normalement fallait au sala au samedi oyo. Hein? Normalement faut au sala au samedi oyo. Mais samedi en 8, je ne sais pas sur quelle date, il y a le 29. Samedi en 8, le 29, na ko senga la bande de communion sur Tokutana Awa, na Serafin, na Lingo Manabiso, à partir il y a 11h. 11h, tozo attend plutôt 10h. Tozo attend, il y a le Sambo pendant 10h du temps. Le Sambo, na biso eza, kole la Mawana Nzambe. Mawana Nzambe, et kita likolo na biso. Nzamba yoke la biso mawa. To simbi ba interdit. To déborder na kata mission. Simbi na biso, zalaga o ba yobiso ki dégage. Mais to mongwe, to komisu na Nzambe dégage. Alors si on doit dégager Dieu, on dégage les serviants de nos âmes. Nous sommes exposés. Yango le 29, tozo koutana wana 10h. Na pe si appel nan de konyonso, combattant, résistant, congolais, boya. Tole la liboso na Nzambe, to implorer grâce na miséricorde na Nzambe, to zwa décision, ya ko tika makambu, oh ya ko attaqué ba église, ko attaqué ba salle na Nzambe, nous avons encore très touché. Vous savez que, ouais, que même de pour que na komatera na ba concert ba ndeko ba betaka les adorateurs, nos frères qui viennent adorer, to mati ba komata to ko pesa mais c'est une abomination. On ne peut pas censer de monter devant l'altar là on adore Dieu, to ko pesa message amour, c'est une abomination devant le Seigneur. On va faire un débat, je vais vous démontrer, c'est une abomination. Tout le monde n'est pas censé de monter sur l'autel. Tout le monde n'est pas censé de monter sur l'autel. On ne peut pas couper l'adoration à Dieu pour faire passer un message à la nation. Non. Bon, les cibles, l'objectif qu'on voulait bien, ils ont déjà atteint. Laissez les gens adorer le Seigneur. Il y a une crise au Congo. Et la crise en Éthiopie, les caca. Mais l'Éthiopie est dans une situation où il y a un problème qui est grave. Mais dans le Congo, il y a un papa qui a touché à 50 dollars.
mais aza capable de soutenir 10 enfants tin anniversaire tangisi mango. Mais ça ce sont les fruits des prières. Besoin de vivre, to vivre man na Congo. To vivre man na Congo, le miracle de Dieu. Ozomo na papa ya bana belé mais ba lia ka ba lata ka ba vivre. To vivre man, c'est le aujourd'hui ce que Dieu a fait pour nous. Parce que peut-être aujourd'hui, moi, dans la libération, on veut se retourner contre Dieu. Non. Je veux que les combattants, n'engen nzambi, à la kisingai, toujours en astibe nabisou. Pourquoi moi, on a un combattant? Toujours en astibe nabisou. Totika, l'ingomba nzambi. Toujours mi meme la bout tout. T'as un membre comme, y'a un combattant, n'a pas capable d'arrêter l'ange de la mort. Oiseau ciblé, bisou na kacha. Ponza balobi nangai, ça Dieu m'a dit. Ce qui va continuer, na communauté na bino koya ko simba na ba interdit na ndako na ngai je ferai puisque je suis en train de faire pour qu'un combattant ne vienne nous sauver de cette situation ce sont maintenant les responsabilités biso ba pasteur to ba nazana na jeune na ba jeune prière on zamba ko tsenga pona makamba ba bazo kufa mais personne ne le sait je l'ai dit peut-être aujourd'hui personne ne le sait je l'ai dit à personne et je prie pour ça. Na moni ndeko morote résistant morote ayo va nanga banda ko sula nanga abanda ko lela nanga banda ko bondia nanga to le pante be azate. Mais qui nous a tué ce malheur et qui nous ont attiré ce malheur? On a touché à l'interdit. To pandi ba église to kimisi ba pasteur ba mboka to kangi ba soki pasteur a sali mabe. Est-ce qu'azali bende? Est-ce qu'azali baya? Est-ce que ba établir combattant ko juger pasteur? Nous sommes les choses qu'on ne doit pas faire. Je n'ai jamais parlé de ça. Je suis moi-même un combattant. Je ne m'attendais jamais que le Seigneur pourrait me parler dans ce sens-ci. Je sais que nous sommes dans le babouille. Mais moi, je m'en fous. Je m'en fous. S'il faut parler au nom du Seigneur, je parle au nom du Seigneur. Bobiso za bato déjà pour na Yesu. Nga bato ba misu bazaka tukufa pour na mboka biso pour na Yesu tukufa déjà. Je fais passer le message, je dois sauver mon peuple, ma communauté qui est victime de l'ange de la mort qui est en train de traverser à cause de la séduction. Et continue à kacha virus et continue à kacha communauté pour attaquer les églises. Vous savez ce que le travail que Dieu fait au travers des églises pour protéger les âmes de Dieu. Na katkata mboka o. Ya makasi. Voilà, chers amis abonnés dans Congo Dialogue et puis la communauté congolaise, nous sommes qui message. Je n'ai aucun commentaire à mettre là-dessus. L'homme de Dieu, comme tu as dit, moto azana mutuna kotuna, peut-être à tout le Nzambe. Mais ma kamba ba prière, on a beaucoup tout na yo, on peut déjà un message. On peut déjà un message. 9 toza awa. De la tout, Nzambe, yo que la communauté mawa. Tout mon coup dans la bana miki. Na moi na 16 ans okende ba ke no wake ne classe de cours très bien dia kufi. Musicien telema ke yo comme na ekari ya un mois to kunda deux musiciens très connus ba leader worship ya kacha ba église na bango. Vous trouvez ça normal? Mutabeli ta ke ba tiki moi sina bana telema na goyemba boye nzemba libosa ni bale ya misa to akwe ya kufi. Oyebisi madame ke no zongo bima batika lo beto masa. Si ba bloko to vi ofanda bo eh ba bomi mutu moko kuna kongola ku. Senesong to mo se retrouver na ba de matanga ba samedi. Quand le Seigneur m'avait parlé au mois de novembre, l'église est là. L'église est là. Parce que je suis la père à prophétie devant. Je me rappelle mon accomplissement. Je suis en colère. J'ai encore, vendredi passé, oui, j'ai encore prophété. Je suis en audio dans la routine de l'ango. Je suis audio dans l'église. Je suis en colère. L'ange de la mort vient encore passer à la communauté. Bozangate vendredi bobondela na ye vendredi na bandiko teya na tei na bandiko teya na zo teya na ebisi ba esprit de mort bandiko se manifester na bandoto abatwa na ebisi ba ta pesi ba tu exemple ya mutu akufi na podium vendredi dimanche baza dimanche na zo teya na pesi su exemple ya mutu akufi na podium liboso dotango na zo pesa mutu awa kula na église kuna mtazo kufa. Alors, on doit se taire. On ne doit pas se taire. On doit, si nous gardons silence, les sons de ces gens vont se répandre sur nous. On doit sauver la communauté. Et je demande à tous les pasteurs, je demande à tous mes collègues, pasteurs, de vraiment prier pour vos enfants à l'église. Bon, couvrir, bon, peut-être la maquilla naïs. Ange de la mort, oyo, agane refrappé, ba oyo, baza, ba incrédule, ba boy, qu'on se répandit, libosso, nan zambé.
Mais j'ai pris comme en Égypte que ba Christ union sur Bisika Bozali en qualité de prophète. Boza déjà couvert dans Makila na Yesu. Et j'ordonne que cet ange n'a plus aucun pouvoir de toucher aux chrétiens. Alors biso toute communauté faut se bler to sanga nzambe mawa to arrêter biloko pe ya kona ko touchera ba église ko touchera ba musique. J'ai été étonné na moni ndeko moka ti di voice azo finga lor mbongo ya ko yemba te frère to komisi ko komini hein ko on commence à déborder quand même. Donc biso to adorer te parce que combattant moka lingre tcheke dans un pouvoir ça nous en quoi ça nous engage, pourquoi ne pas aller combattre au pays? Ce sont des gens que Dieu a élevés. Sorry, Aliam Bongo, comment vous appelez? Na Olive. Bongo, oh, monsieur, je vais aller, Bongo, cousin, biso tout, aux Alibanda, cousin, biso oncle, moi, membre de la famille, Aliam Bongo, quelque part, voilà. Laissez-nous adorer le Seigneur. Ce que ça tente, ça permettait qu'il y ait Pambolama. Où est le problème? Où est le problème? D'ailleurs, vous avez un Pambolama, pas mon pagan, on a ni. Madame de Dieu, merci pour votre temps. Juste ma contact na yo et puis référence pour l'église des Ali. Adresse pour pas de bain ni à contacter. Bah bain d'église, on a évité la paix. Ouais, contact na bain, on a évité la paix. Ça contacte pour naibi que ma fille est Hollande, mais bien assis ma contact. Naza attend ya ma fille à terre. Que soit au fini ngai yebaga ke au fini nzambi. Au fini parce que je parle de la part. Na va na logo depuis 6 mois. Na obunda na ngo. Mais tellement ça m'a menacé trop, je suis contraint de sauver le peuple de Dieu. Je ne suis pas spécial, je suis le moindre de tous. Et l'ingombe yebi, tu peux savoir ma message, belé, ma prophétie est belé, et à la nation, et à la Congo, le loyo, yonde, qu'on a mis sur le pouvoir, yonani, Etienne, tout ça, bloque toi, tout le barango déjà. Tout le barango déjà. Pona rokota na ba détail bloko musute ba yo kabwana ya za mutala muka ya za mut te na za na bloko ante tout ça le Seigneur nous avait nakate gizana songa na salanga muta ba échange vous comprendre pour la rééquilibrer sinon sera obimi boye oh père za muta boete mais on est là avec les enfants te débattre quand on sait qui on s'en passe tout ça d'une manière ou d'une autre. Donc nous donnons des messages et ça ezala masolo ya mboka oh to pe sa ba message. Les gens voient, les gens entendent. Peut-être que parce que nous ne sommes pas médiatés, et sous la carte église, mais l'église peut témoigner. Alors ne prenons pas ça à la légère. L'ange de la mort. Et puis nous avons l'eau nous sommes au total. Quand nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que prière. Avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous le roi de banque singa bon permettez nga la prier na kozonga na na sei nzambe alex nga mutu wana na mwena kacha vision na okota ngona detail te na mwena kacha vision mutu moko ba pese mission sacrifice ya 150 personnes mais comme jana 65 parce que alors ba sacrifice ona na kacha communauté le roi communauté ezana ngo lisusu na couverture spirituelle te donc toko ba victime. Il ne peut pas venir tuer mon peuple comme ça. Tant qu'on fait ça, batuami besu, papa, batuami besu. Donc, batuami besu, batuba belite, karaboui. Non, nous nous levons comme des prophètes de l'Éternel pour nous rendre ça ange de la mort, trop c'est trop. Quand on a un nazar invisible, pendant nazar nanga na famille nanga nazar intouchable, na église nanga tous nazar intouchable. Nazar vous savez que non, cette histoire doit s'arrêter dans la vie de Cape Town. Ce qui est dans la simakat à Makambo Oyo, mort né aux ala spectaculaire. Et je le déclare au nom de Jésus. Merci beaucoup, homme de Dieu. Nous avons qu'on a libéré au micro. Juste une petite prière. Les téléspectateurs Oyo, par alliance, par connexion, ils peuvent être aussi victimes. Na Poto, aux États-Unis, na Paris, na Congo même surtout. Et puis au Bazanaka Tchakepton. Juste une petite prière pour la communauté. Avant de prier, je profite pour faire passer le message Naba. Le message était plus concerné na bandeko au Bazaki na Cape Town, mais par rapport à ba image nzambala qui s'est dans différentes villes au monde entier là où il y a nos frères combattants koyeb sabango que to toucher ba interdit to kotali na ba temple to sali ba abomination to mona ngolo pamba to filmer église aboto kangi église bon nous tous on trouvé ça comme ça to tango na ba YouTube hein, tout ça mais les conséquences sont tant on zamba tellement na kanda na e za matata pour mutumoko ta joye mandé pa nzambe ya ke no panza église boy
à cause de ma raison politique ou quoi que ce soit, je ne sais pas moi, pour Matanaba Alta, te bloganonso. Vraiment, je demande à mes frères, toi, ce qui t'a ligné, libota, oh, t'as bundé la pona bango. Alors pourquoi t'as bundé la pona mboka? Alors, tout le monde m'a rabandé comme ça, je ne suis pas victime. Alors, on n'aime pas le pays, on aime ce peuple. Je pense que c'est un grand temps vraiment d'arrêter avec ces choses. Et nous allons prier ensemble par la grâce de Dieu. Nous allons prier ensemble par la grâce de Dieu. Tout le monde est là. Nous sommes dans l'Ikolo, nous sommes dans Mawa, nous sommes dans Ngolounios. Yahweh, la zobele la yo papa, oyo ke la biso Mawa. O kitisa Mawa na yo, nous sommes dans l'Ikolo na communauté na biso. Ya solo to salima be. Ya solo to simbi na ba interdit nkolo. Ya ngo to salima kambu o nzambe e pesio lokumu te. Ya ngo la zo bele la o nzambe, nzambe na mawa, limbisa communauté congolaise. Limbisa libota na yo nzambe to bosa ni cible, yo koma ki cible na biso. To zo benga na yo katikati na biso. Seigneur, pardonne tous les acteurs. Pardonne-nous, Seigneur, pour ces abominations. Please, Seigneur, ramène la couverture spirituelle sur la communauté. Protège-nous. Que l'ange de la mort, Seigneur, a atteindre l'issue soit ta Congolais, mon côté, dans toutes les villes. Mon côté a connaître mort prématurée. Doit arrêter le coup. Peut-être que l'ikambu oyo et comme l'yonanouté, quoi la famille na yote. Okoyiko minimize yango. Menazo bonde na kombo na Yesu masi ya bisiko zali. Yo mtozo landanga, yo na libota na yo, bana na yo, mwasi na yo, mobali na yo, bafere na yo, boza la kuver na makila na Yesu. Lokole zanaga na Egypte, boza la kuver na makila na Yesu. Soki ange la morale, ki amona libota na yo te, amona vi na yo te, amona bana na yo te, amona bomo na yo te, bisika nyon so zali yo zako landangayi, ke le som de la nyon te kouvre, et je te déclare invisible. Penazo proclamé par le nom de Jésus-Christ. Que l'ange, ô mort, où est ton aiguillon? Moutou mokote a connaître son mort prématuré. Et je déclare par la puissance du Saint-Esprit que la vie soit au milieu du peuple de Dieu. Que la vie soit dans la communauté congolaise. Penazo arrête esprit impur. Oye kote ki a dévasté, ko détruire ma église, ko arrête ma adoration pour des raisons politiques. Nzambe na arrête esprit wana. Tika combattant, tika la naba objectif, ou ezali digne pe loi. Plus jamais dans des églises, plus jamais dans des concerts d'adoration, là où on adore Dieu, là où on élève le nom de Jésus. Nous proclamons ainsi ta sainteté pour le nom de Jésus et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Voilà, merci beaucoup. Vraiment un réel plaisir de partager le plateau avec l'homme de Dieu. Merci pour la disponibilité. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes à la fin, le message est passé. Moi c'est Josué Boloa, YouTube c'est Congo Dialogue, abonnez-vous massivement. Facebook c'est Josué Boloa. Grand merci à la grande dame Francine Game de la Belgique. Merci à toute l'équipe et à Serenfe Church. On a possible sur facilité Otoya. Oui, bah message au moment où tu vas boire à ta malibanga zate. Donc moi boire hein, au boire libanga ndeni ni vraiment à Francine, hein. Vraiment, merci de la présence à Prince Ose na Beakapanga. Merci d'abord qui m'ont sacolé ça lobby. Oazana matoya oyoka, ayoka, misuba ange bayoka. Bah serviteur de Dieu partout dans le monde, il y a concerné qu'à Cape Town, en Afrique du Sud. Et concerné Batunios tout. Jusqu'à un prochain numéro, que Dieu vous bénisse.